Hello à tous, une petite vidéo pour la reprise de la culasse du coup du DTMX. J'ai choisi là de pour un moteur d'origine de monter un petit peu la compression et je suis passé seulement à un rabotage de 30 centièmes. Voilà, c'est quelque chose un petit peu classique, mais ça va éviter de surchauffer et puis de garder un petit peu de gagner un petit peu de coupe, voilà. Là c'est la passe de finition, j'enlève un petit centième juste pour avoir quelque chose de sympa. Et voilà le travail. Alors on voit les petites tris, mais en fait ça se sent même pas à la main. Alors voici le montage qui m'a permis de poser la culasse. En fait, je pensais au début utiliser les quatre trous de fixation, mettre des tubes par l'intérieur et puis poser la culasse bien à niveau. Mais en fait, c'était embêtant parce que ça m'aurait empêché de tourner à l'endroit des goujons. Alors j'ai choisi plutôt de fixer par l'arrière. Là, c'est bridé avec des petites cales isostatiques. Voilà. Donc en fait, j'ai choisi de surfacer ces trois ailettes là qui m'ont permis de retrouver un bon état de surface pour le fraisage de l'autre côté. Et en fait, j'ai un petit forêt, j'ai dû ajuster. J'ai un forêt de 6,5 qui vient se poser ici en fait. Donc à l'envers, ça me fait 4 points de fixation plus les deux brides. Et puis c'est parti pour le fraisage. Voilà.